Добро пожаловать в мой канал. Sans réelle surprise, Mathieu Gallet écope d'une peine légère. Le patron de Radio France est condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende dans l'affaire des marchés publics qu'il a passé lorsqu'il dirigeait l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, entre 2010 et 2014. En théorie, le PDG de Radio France risquait jusqu'à 2 ans de prison, 200 000 euros d'amende, l'interdiction d'exercer une fonction publique et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille. Mathieu Gallet va faire appel en pratique. Pour une première condamnation, la peine infligée est en général du sursis et très rarement une peine de prison ferme. De même, l'interdiction d'exercer une fonction publique est rarissime pour une première condamnation et sans enrichissement personnel, indiquait dans un précédent article l'avocat pénaliste Stéphane Babonneau. La procureure Amélie Cladière n'avait d'ailleurs requis que 18 mois de prison avec sursis, plus une amende de 40 000 euros. Le CSA doit encore décider si la condamnation entraînera son départ de Radio France. Mathieu Gallet a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel de sa condamnation. Inscrivez-vous à la newsletter BFM Business.